matin à toutes et tous, on se retrouve pour le message de ce mardi 16 avril 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Petite philosophie du matin, parfois il peut être stratégiquement avantageux et bien de reculer d'un pas ou de perdre une ou deux parties pour reprendre la main un peu plus tard. Aujourd'hui, eh bien, j'ai pigé le cavalier de feu. Et le cavalier de feu, c'est fait partie de la suite de feu. La suite de feu parle de créativité, de passion et de carrière. Et dans le tarot traditionnel, eh bien, c'est la suite des bâtons. La suite de feu représente les aspects de la vie qui nous passionnent et nous enthousiasme. Elle se concentre sur la créativité, la carrière, le désir de courir après ses rêves ou les projets artistiques comme par exemple la peinture, le théâtre ou l'écriture. Le cavalier de feu, il vous dit « j'arrive pour sauver la situation ». Si vous devez faire plusieurs choses à la fois, ce n'est pas un problème, n'est-ce pas? Vous pouvez tout à fait sauver la situation et par exemple préparer des tartines en même temps. Vous êtes sûr de réussir et si par malheur quelque chose tourne mal, vous vous contentez de vous relever en époustant vos vêtements, avant de recommencer. Le tout, bien sûr, en gardant le sourire. Parce que les gens vous regardent tout excités et impatients. Et pourquoi vous ne le seriez pas, vous? Alors, là, le cavalier de feu, il fait appel à votre conscience. Petite question, est-ce que cela vous tuerait d'avoir un plan de secours? Ou au moins un plan. Méfiez-vous des suppositions hâtives et ne jugez pas trop vite les autres. Ne soyez pas imprudent. Comme pour le valet de feu, ce serait formidable si vous pouviez aller vraiment, vraiment jusqu'au bout de votre projet. Si ce n'est pas trop vous demander, n'est-ce pas? Voilà, le projet, il est là, mais il faudrait peut-être avoir un plan de secours si ça ne marcherait pas comme vous le vouliez, comme vous le pensiez. Il faut toujours avoir un plan B, n'est-ce pas? Dans n'importe circonstance. Vous êtes une personne vraiment très passionnée. Vous êtes une personne charmante, confiante, enthousiaste. Vous êtes une personne courageuse et charismatique, très dynamique. Alors, il serait peut-être bon de vous faire confiance, de faire confiance à votre instinct et de vous dire que si même ce projet-là ne se réalise pas, avec le plan B que vous avez, ça se concrétisera. Allez-y, ayez confiance en vous, parce que ce cavalier de feu, il vient pour vous sauver de la situation. Et ne doutez pas de vous, s'il vous plaît. Vous avez les capacités, vous avez le charisme et la dynamique, et vous êtes audacieux. Audacieuse. Donc allez-y,
Soyez concret dans vos décisions, dans vos faits et gestes, dans vos pensées, et dites-vous que ça va marcher. Et si ça ne marche pas, eh bien, prenez le plan B qui vous donnera la possibilité d'arriver à vos fins. Je termine avec l'affirmation positive. Des changements positifs arrivent dans ma vie. Des changements positifs arrivent dans ma vie. Eh bien voilà, des changements positifs arrivent dans ma vie. Allez-y. 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 Si ça ne marche pas, des changements positifs vont arriver. Ça sera le plan B et ça ne sera pas le plan A. Allez, je vous souhaite une excellente journée et puis on se retrouve demain pour un nouveau message. Et d'ici là, portez-vous bien. Je vous embrasse. À demain.